Il m'a foutu un truc dans l'œil avec le truc. Ah merde. Alors, fais-moi voir ça. C'est une débroussailleuse électrique. Vous l'avez acheté combien? 200 euros avec les chargeurs et tous les outils. Ah, fais voir la lame deux secondes. Ah oui, c'est des sacrés couteaux. Hein. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Ouais, effectivement, elle est vraiment bien. Le seul problème, c'est son autonomie. Mais sinon. L'autonomie, tu fais combien de temps avec? Une demi-heure à plein régime. Une demi-heure avec une charge. Ok, ouais. Donc avec plusieurs batteries, ça peut être pas mal. Il m'a foutu un truc dans l'œil avec le truc. Ah merde. Fort. Ah putain. Ah mais je crois qu'il faut pas se mettre devant quand il n'y a pas la protection. Ouais, effectivement, oui, bah, enfin, j'étais du mauvais côté. Ah bah comme toutes les débroussailleuses. Hein. Heureusement que c'est pas un caillou parce que là, je crois que j'aurais perdu un œil. Oui. Alors là, vous voyez, c'est une tondeuse thermique. Pourtant, elle est en train de se recharger. Alors pourquoi est-ce qu'elle se recharge? Il y a un fil qui passe directement là en fait. Donc ça se recharge ici. Et en fait, il y a une espèce de batterie à l'intérieur, juste là. Et ça permet d'avoir le démarrage automatique. Sauf que ils n'ont pas mis de lanceur manuel sur la tondeuse. Du coup, ça veut dire que si la batterie ou le chargeur est perdu, ou bien il y a un problème électrique quelconque, eh ben, on peut plus démarrer la tondeuse. Donc, je trouve ça vraiment débile.